Salut à tous et bienvenue sur Val Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très bien et toi Ça va très très bien, tu es loin de moi, mais c'est normal, on a besoin de tout l'espace pour vous montrer quelques délicieuses choses comme ceci. Hop là, attention, 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 vous avez cliqué, vous avez les sûr. vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de Modern Horizon 3, quel plaisir, merci beaucoup à Wizard de nous avoir contactés pour justement vous faire ce petit contenu délicieux sur Horizon du Modern 3. Quel plaisir. Voilà, on a eu les petits boosters en avance pour pouvoir vous faire cette vidéo et construire avec vous un deck d'avant-première. Donc, on va les ouvrir, se régaler avec les délicieuses cartes qu'elles contiennent et vous euh, proposer un petit deck d'avant-première. Et pourquoi faire un petit deck d'avant-première Bon, déjà parce que c'est sympa, mais parce qu'on participe. On participe à une avant-première euh, physique qui aura lieu, euh, qui aura lieu samedi euh, 8, c'est ça On sera le 8 le, juin. 7, le 7 juin. Le 7 juin. Samedi 7 juin. Euh, pour beaucoup de plaisir à euh, non c'est samedi 8 juin c'est bien le 8. Ah, euh, le 8 pardon, à la Tanière du coup euh, shop qu'il y a à Toulon en face de la gare pour ceux qui connaissent donc si vous voulez rejoindre l'événement n'hésitez pas s'il y a encore de la place foncez vous inscrire nous, on y sera avec le surval et on vous fera des petits posts sur les réseaux pour ceux qui ne peuvent pas y participer. Euh, si vous n'êtes pas de Toulon, n'hésitez pas aussi à participer à un événement d'avant-première près de chez vous parce que c'est le délice, c'est la régalade. Et particulièrement sur les événements euh, Horizon du Moderne. Il faut savoir que le limité des horizons du moderne euh, précédents, donc Modern Horizon 1 et 2, était délicieux. Vous demanderez à des experts du limité tels que euh, Liland, ils ont adoré. Donc à n'en point douter que le 3 va être tout aussi délicieux, avec plein de mécaniques cool comme les Eldrazi, les gros et les petits. Bon, c'est beaucoup de gros mais aussi des petits. Euh, la mécanique euh, marqueur énergie qui plaît énormément aussi aux gens qui est de retour dans ce set. Et tout plein de mécaniques qu'on va voir dans ces boosters. Donc n'hésitez pas à vous inscrire euh, directement, trouver un magasin près de chez vous si vous voulez y participer avec le Locator Wizard qu'on vous mettra très certainement en description. Voilà, je pense okay. que j'ai tout dit. Est-ce que c'est pas l'heure de s'ouvrir la petit booster Val eh ben c'est parti. Première partie de la vidéo, on s'ouvre des petits boosters, on se régale, on regarde un petit peu ce qu'on hit. Et deuxième partie, on vous crée un petit deck histoire de vous montrer plus ou moins ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de vos AP. Exactement. Euh, Qu'est-ce qu'une avant-première C'est euh, les premiers tournois, du coup, quand une extension sort, dans lesquels vous pouvez participer pour gagner des lots. Souvent, les lots sont lissés, donc ne vous inquiétez pas de la compétitivité de l'événement. Justement, en fait, quasi on tout le monde va repartir avec la même chose. Voilà, c'est fait pour kiffer, pour découvrir le set. Et euh, vous allez devoir construire un deck d'avant-première constitué de 40 cartes ou plus. On vous recommande de graser que 40 cartes. 17 terrains que vous allez prendre dans votre local game store qui sont mis à disposition. Et 23 cartes actives que, qui, euh, que elles, vous allez choisir parmi vos 6 boosters du coup que vous allez ouvrir. Euh, si vous voulez un tuto approfondi sur comment créer un paquet scellé, il y en a un sur notre chaîne. Même si euh, ce n'est pas sur Modern Horizon, les conseils s'appliquent tout pareil. Donc n'hésitez pas des à aller plutôt journaliste. Exactement. Là, vous aurez quand même des conseils ici, mais vu que les produits ne sont pas encore sortis, même si on en a dans la main, euh, on n'a pas l'expérience pour vous euh, aider sur ce format particulier de Modern Horizon. On se contente de d'ouvrir et de se régaler avec ce que ça contient. C'est parti, premier booster. Ça me fait plaisir, j'ai un peu l'impression d'avoir ses euh, pairs comme créateur de, de, créateur de contenu, d'avoir des produits qui ne sont pas encore sortis et de les avoir dans ma main. Oui, ça fait Donc, plaisir. Ouvre-nous de, de très belles cartes, du Fetchland notamment, All Frame. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais essayer, oui, parce qu'il y a des traitements. Forcément, vous les avez vus passer sur les réseaux, mais si vous les avez pas vus, j'espère les voir dans les boosters. Ils sont délicieux. Euh, ce que je recommande, je vais peut-être. Non, je vais laisser zoomer pour ouvrir et je vais dézoomer pour construire. Euh, ce que je vous recommande, c'est euh, tout de suite, quand vous allez ouvrir vos boosters pour gagner un peu de temps, euh, au-delà de lire vos cartes, c'est de les séparer euh, dans des tas en fonction des couleurs. Euh, donc ouais. euh, tas bleu, tas noir, etc puisque ensuite pour construire votre deck qui sera essentiellement bicolore ce sera plus simple si vous avez, euh, si vous avez séparé il y a Les je vais le faire tout de suite moi de mon côté Hop, on a les petites communes alors c'est possible que la caméra malheureusement fasse le focus sur les cartes que tu vas mettre en fond je t'invite plutôt à les mettre hors champ est-ce que, ah je les mets plutôt hors champ et je les euh, ouais, ça va, demander, euh, je ouais ça va lui demander des efforts je vais essayer comme ça mais ai-je voilà. la place d'avoir tout hors champ, oui, je crois. Mais au pire, on, on triera après, c'est pas au très pire, grave. On triera après, ouais. Generatorium disait, donc je vous le disais, voilà, les mécaniques énergie. Souvent les, euh, les cartes euh, multicolores vont vous aider à savoir quelles synergies sont poussées dans le set. On a aussi des sets ouais, euh, de cartes MDFC, donc qui sont des bilandes, oh des Toxique. Des bilandes euh, d'un côté, et de l'autre, une carte comme là par exemple. Plus de plus de vol, lifelink à une créature, c'est très intéressant pour splasher ou simplement pour, euh, pour avoir une carte, un land en plus. Quoi, un okay, déluge toxique, joli euh, déluge toxique. Ici, une très bonne carte qu'on ouais. va avoir envie de jouer en scellé et qu'on va avoir envie de récupérer à la fois pour le jeu clair le euh, ou euh, notamment pour le moderne. surtout, ouais, ouais. Simplement. très très bonne carte. Ce déluge toxique, oh. Deuxième carte qui fait plaisir... De bonnes rares, hein. Ouais, flamboiement de culture, de bonnes rares. Alors ça, pour le coup, en scellé, ça va pas faire spécialement des miracles. Par contre, dans tous les autres formats, on va se régaler. Oh, je pense qu'en scellé, culture, c'est très bonne carte. Hein. C'est bonne carte, mais ça a moins de puissance. Tu peux pas la jouer gratuitement. Ah oui, oui. Vois, je on, va, toi, on, va la, on va pas la jouer gratuitement. Ouais. Euh, une analyse en profondeur, pareil, carte qui n'existait pas en moderne avant. Ça fait plaisir de voir des cartes. J'aime beaucoup cette carte en plus. Elle est très euh, belle. Avec un petit stamp, là, je ne sais pas ce que ça représente un petit dragon mais ouais je ne sais pas pourquoi. un hippocampe un petit hippocampe ouais joli donc on a une feuille par booster le terrain oh et un petit nadu on espère l'ouvrir lui le collègue oui on le veut bien on veut bien on veut bien des mythiques aussi on veut bien un des petit mythiques aussi. par exemple mais déjà là la double rare euh, pour commencer on est bien ouais ça fait plaisir hein. les, les boosters qui sont plus généreux en, en cartes rares et en cartes mythiques donc Forcément. on peut avoir des boosters comme celui-là carrément vraiment un... plaisir Assaut terrifiant Chevalier, oh, c'est pas pratique pour moi, je vais plutôt euh, trier après. Ravis sans ouais, faire Chien bien. de carte fidèle, bonne carte pour le popper. Beaucoup de bonnes cartes pour le popper aussi, hein, si vous vous demandez. Imitation de bandit. Ah, bah j'ai hâte de la voir, tiens. On demandera à l'ami bandit de nous la faire. Euh, Reliquaire d'essence. Terramandre d'Ethérium. Quête de la nécropole. Et Ange des ruines. Oula, et on a beaucoup d'une coup. J'ai mal compté un reprint oh voilà oh, une mythique alors ça le est lui il est très fort. Ça en scellé vous êtes très content très très fort ce cosy la réalité brisée pour neuf, on a une 9-9 déjà c'est bien quand vous lancez ce sort jusqu'à deux joueurs ciblés manifestent chacun deux cartes de leur main donc vous les mettez en créature de 2 sur le champ de bataille pour chaque carte manifestée de cette manière vous piochez une carte donc, vous allez faire à votre adversaire et à vous-même comme ça vous gagnez vous piochez quatre cartes et les vôtres elles ont plus 3 plus 2 donc c'est des 5-4 contre des 2-2 en face c'est solide très très ah, solide lui en scellé il va vraiment vous aider à gagner votre AP donc si ah vous ouais. ouvrez des, euh, des Eldrazi n'hésitez pas à les jouer carrément très très bonne carte carrément carrément très très fort le Kozilek le je le mets là-bas et on a fini avec un petit paysage tranquille qui sont les nouveaux terrains qui font de l'incolore qui se sacrifient pour aller chercher trois terrains différents et qui se recyclent pour bande en fonction des couleurs qui veulent aller chercher mmh. ça c'est très cool euh, comme cycle la synergie donc, avec va. culture du coup est très bonne euh, commencer à accumuler des terrains ouais. pour pouvoir jou jouer un grand Kozilek. Ça peut, ça. Euh, ça peut être très intéressant. Ça marche bien. Pas beaucoup d'Adrasi euh, pour l'instant. Euh, voilà, J'ai un petit spell Carence, parfait. Mise au point, s'il te plaît, euh, caméra. Voilà. voilà. Oh, vampire, témoin de l'évolution, auxiliaire de l'airain, simulacre sarpadien, superconducteur cyclope, paysage protecteur, larve guivre étreinte, lui qui annonce la fin. Toujours marrant en français les, les noms de, des cartes comme ça. Perspicacité sanguinonante, donc ça euh, c'est okay, comme une les. Le duel fast card. Le duel fast card de tout à l'heure. anéantir les profanes. Une duel fast card mais monocolore cette fois-ci, qui est très bien en plus. Super, car, ouais, super carte. Pour l'imiter, c'est très cool. Enterré vivant, bonne carte aussi, qui euh, était pas légal en moderne, je crois. Je suis pas sûr que ce soit légal en Petit moderne. Boost. Effectivement, ça le, ça le devient actuellement. C'est maintenant... une très bonne carte pour le potentiellement le compétitif. Ça pourra peut-être amener certains deck builds. Oh, mais attends, mais t'es très bon sur l'ouverture, toi. Je suis très bon. Il est très très bon Je celui suis très parce bon merci Wizard deux cartes du cycle de, de cartes gratuites, Mais incroyable. Plus un euh, Neldrazi mythique. Très très bon. Euh, Je suis. Très très chauffant. Moment de déni. En même temps, il y a beaucoup de bons jus hein, dans l'extension et une rare mythique. Oui, et une rare facile d'ouvrir de. C'est facile d'ouvrir des belles cartes. Fantôme de l'orchidée blanche. Donc l'autre c'était un contre-sort qui peut être gratuit. Hein. Je, on est passé parce que c'est vrai que beaucoup de gens connaissent la carte. Euh, ah, de on a fait une review du set récemment. Ouais, euh, si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas. 2-2 euh, de deux pour 2, deux, euh, mana blanc, vol initiative. Ça rappelle euh, le chevalier de l'Orchidée Blanche. Quand il arrive sur le champ de bataille, on détruit jusqu'à un terrain non bas ciblé. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base à mettre en bataille engagé puis mélanger. Ça, en scellé, typiquement, si on la joue, c'est parce que c'est une 2-2 de vol initiative. C'est pas pour ouais, son effet. Quoi. Exactement. Mais c'est bien. Ouh, le petit chat, le frère d'Adjani. Euh, c'est bien, mais autour d'eux, avoir double coloré, c'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais c'est euh, quand même volinite. On va voir, on va voir. De toute façon, on a envie de jouer notre gros pâté là. Vous voyez dans les plumes, Zélateur du solstice, Fracasser le siège, Paysage contaminé, Paysage trompeur, double paysage. Servant sinistre, Instructeur que doré, Déferlement céramal, Décèlement de cosilec. lithoforce Force usé, nice. L'Univernal, ok, ça pour le coup, en scellé, c'est pas très utile. Mais c'est une non, bonne carte à ouvrir. Super carte de construit. Ouais, ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a le droit une deuxième Non, ce sera un affiné, le récit. Ça, je vais mettre là. Et les petits landes. Encore deux boosters. Ensuite, on passe à la construction. Ouais, oh. On voit qu'il y a de, de très, très bonnes cartes à ouvrir dans ce set, en tout cas. Déjà, sur trois boosters, tu as déjà fait euh, ah, une oui. grande partie du job, comme on dit. Je suis, euh, je suis content. Je suis rentable. S'il vous plaît, voilà. De la Belladone, bonne carte. Cerveau mandibulaire, bien pour le pooper. Perçu, changement corrompu. La gargouille tenace. Le messager des miracles. Babiole vexatoire. Éruption. Brimade, j'adore cette carte. Mes cartes préférées. Et on a un commandement de Kozilek. Ok, un peu dur à caster, peut-être en, en scellé. Que en CV ça va être très dur de, de jouer de l'incolore effectivement. Ouais. Donc ça sera plutôt une carte de construit aussi. C'est assez fort. En quoi qu'on a les, pa les passages, passages, ils font de l'incolore. Ça peut aider. Oui, 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 mais bon, il te faut deux passages pour, euh, pour jouer ça. Donc, est il en pas faut au moins deux. Ouais. Et la rare, euh, la foil, c'est mobiliser les morts. Ok. Oh, et un okay. Dernier booster. Il nous reste combien de boosters là Dernier Dernier booster. J'ai déjà fait le taf niveau jus. Ouais, que... mais oh, tu, tu peux encore. Euh, ça peut que encore je peux aller plus un petit loin. Fetch. On rappelle que dans les play boosters, on peut avoir aussi des boosters avec trois ou quatre rares, donc, euh... donc on peut se régaler. C'est vrai que là, ils étaient un peu timide. Hein. J'ai eu un booster avec deux rares, je crois. Non, il y en a eu deux. Ouais. Parce que oui, en vrai. Oui, ta carte quality feuille. est bonne, mais on peut manquer un peu de quantité par rapport à ce que les play boosters peuvent nous donner. Ok. Ah, il y a plusieurs rares là, parce que normalement, ça aurait dû être une, une co. Je crois. On a un médaillon de saphir. Bon petit reprint. D'accord. Si je dis pas de bêtises, il y en a une autre. Et voilà, je dis pas de bêtises. Et c'est un cromlech monumental. Ok. Ok, le, ça, le cycle des landes qui est très très bon. Ouais, ça nous aide pas spécialement pour le sceller, mais c'est pas mal. Et on s'arrêtera là avec une riade de la Belladone en foil. Ok. Donc, je vais vous reprendre en dézoomant un petit peu la cam. Euh, un peu plus. Voilà. Là, vous avez les petits boosters. Donc là, on a le rouge, le noir. L'incolore. On va commencer par trier déjà les cartes. Alors, ça, PL, vu que c'est euh. toi qui as la main, tu le feras plus facilement que moi. Moi, je vois pas, évidemment. Je vois pas tout. évidemment. Je, je te laisse pas trier les cartes. Je suis sympa. Alors... Non, mais même, le problème, c'est que moi, je vois ce que tu es en train de faire de loin. Donc, je ne vois même pas forcément les cartes. Donc, je suis un soutien. Euh... Ah oui, soutien moral. Sous un soutien moral. C'est plutôt toi qui va construire le deck. Exactement. Alors, tac, on va faire ça tranquillou. Si tu peux, pendant que je trie, euh, parler de, euh, de l'extension des cartes que tu aimerais ouvrir eh ben, J'aurais bien aimé ouvrir des Fetchland All Frame, parce que j'aime beaucoup cette frame-là. Et puis après, bah, le plus de cartes jouables en moderne, hein, euh, notamment euh, les, euh, les versions alternatives de certaines cartes très puissantes de l'histoire de Magic, euh, comme Nécropotence ou euh, le Nécrogolf, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est ouais. ce petit drop 1 qui va euh, probablement prendre la place de Tarmogolf dans certains jeux en tout cas, être testé. Ça m'aurait pas dérangé d'ouvrir aussi la version alternative de Huro en Boros, euh, qui s'appelle Flash, euh, qui euh, mérite au moins d'être testée. Comme tu le disais aussi, il y avait euh, la carte Simic, qui est 3-4 vols pour 3, qui est assez intéressante euh, pour du Commander, mais, mais aussi pour du Moderne. En tout cas, il y a pas mal de gens qui euh, théorisent sur la, la puissance de la carte. Donc, il y a quand même beaucoup de bonnes cartes à ouvrir. N'importe quel Eldrazi mythique aussi fait plaisir, parce qu'on sait, on sait que... Euh, ça peut être très très fort dans des decks troncs en moderne mais aussi apprécié globalement par euh, les joueurs de toutes les communautés ouais donc, euh, donc non non il y a, y, a, y a de quoi faire franchement il y a de quoi faire ok donc là le, le cycle des cartes gratuites ou alors des créatures qui deviennent des planeswalkers ce sont aussi des très bons hits évidemment j'ai euh, trié toutes les petites cartes alors l'avantage quand vous ouvrez pas grand chose d'une couleur c'est que vous n'allez pas la jouer <laughs> au moins ça fait gagner du temps là typiquement le rouge on n'a que cette carte rouge, on va compter souvent les créatures qu'on a, parce qu'on a besoin de créatures, c'est comme ça qu'on tue euh, en limité, en, en, en scellé particulièrement. Et là, créature rouge, et ben on n'en a que 3. Donc, à moins que ce soit une couleur de soutien parfaite pour un, un archétype qu'on aurait. Sinon, euh, jouer avec euh, ces cartes-là, mise au point, j'en supplie. Voilà. Euh, ça va être un peu trop faible. On est une créature qui exploite pour voler une bête et pouvoir attaquer jusqu'à fin une tour avec. On a un tour 1 qui se recycle pour être un anti-bête, ça c'est pas dégueulasse pour le coup. Très bien pour le popper. Euh, on a un 1-3 pour 2 menaces qui fait gagner de l'énergie et on peut payer de l'énergie pour qu'une créature attaquante gagne plus 1 menace. Plus 1-0, plus fracasser le siège qui va casser artefacts ou euh, buffer une créature attaquante. Ça a l'air pas mal de casser des artefacts dès le main deck dans ce format-là. Ouais, ouais, ouais. Euh, Éruption morceleuse qui est un terrain, donc c'est un peu gratuit et ça casse un terrain. Comme on vous disait, c'est moins intéressant en scellé de faire ça temps limité, aperçu de l'impossible qui va euh, faire de la value, essentiellement, et flamme dentelée qui euh, est un très bon anti par contre, parce que ça met 4 n'importe où, et ça l'existe si ça meurt. Écoute, ça peut être une couleur de soutien, une couleur qu'on splashera, mais ça va du pas du tout déterminer ce qu'on a envie de jouer effectivement. Exact. Euh, on peut regarder le noir, je vois que c'est bien fourni. Alors combien ouais, on a que déjà On a des gestions. C'est vachement important aussi d'avoir des gestions des anti-bêtes ouais. pour pouvoir gérer les cartes de l'adversaire. On en a de très bonnes en noir. Hop, je trie. On n'a pas tant de créatures que ça, mais voilà, on a le déluge oh, mortel. On a déluge mortel aussi qui est quand même une super carte. Très envie de, de gérer ça. Je vais vous rezoomer un petit peu, remarque. Ici, bien voir. Je dis un petit peu, pas énormément. Sentinel ce qui est 2-3 menaces pour 4. À chaque fois qu'elle arrive sur ma bataille ou attaque, elle connive. Donc, ça va nous permettre de creuser dans ce qu'on veut. Ça, c'est typiquement une euh, bonne carte qu'on a envie de jouer. 4-4 pour 4, 5 qui s'adapte et quand euh, on met des marqueurs dessus, on peut piocher les deux cartes et perdre deux points de vie. Excellent aussi. Euh, un drop 1 qui rend vieux du cimetière avec deux marqueurs plus un plus un, C'est un 3-3 en late game et un 1-1, artefact en early. Ça peut être une 23ème carte parce que ça ouais. rentre dans plusieurs synergies. C'est un peu overcosté, quoi. Disons que son coût de renvoi est quand ouais. même vachement cher pour ce que ça sera. C'est ça, mais si on a besoin de sacrifier, bon bah... Ouais, voilà. C'est pas mal. C'est plus une carte de synergie qu'une carte de curve. C'est ça. Servant sinistre 3-2 pour 4 menaces. Quand il y a un champ on peut chercher dans notre bibliothèque une carte qui coûte moins cher que notre dévotion au noir. Donc la dévotion au noir, c'est le nombre de euh, symboles de mana noir parmi nos permanents. La révéler, la mettre dans notre main, puis mélanger, on perd 3 points de vie. C'est assez simple d'aller chercher un truc qui coûte 2, du coup. Parce qu'on met une bête noire avant lui et lui. Euh, ça peut être intéressant, ça. Je pense que ça, on a envie de le jouer. Ouais, complètement. Si on joue noir, évidemment. Larve Give Étreinte c'est une 3-3 contact mortel lifelink pour 5. Et ça fait exactement comme la Give Étreinte euh, euh, mais qui n'est pas une larve. Quand elle meurt, elle va faire un jeton un de contact mortel et un jeton 2-1 lifelink. Au lieu de faire 2-3-3, okay. elle, elle sépare ses stats. C'est vachement bien pensé, parce que du coup, contre Arc mortel tu n'as besoin que de 1 d'attaque, ouais. puisque n'importe quel contact sera mortel, et au moins tu gagnes 2 points de vie avec l'autre. Ça, ça. c'est là l'air d'être une super carte aussi. Hein. Ça, c'est très cool, ouais. ça, je veux jouer. Vampire, Buveuse de rêve, 2, un lifeling pour 2 qui s'adapte, et quand elle s'adapte, elle acquiert la menace, donc ça veut dire qu'elle va nous faire gagner 3 points de vie. 4 euh, points de vie, pardon, non, adapter 1, ouais, donc 3 points de vie. C'est un drop Une bonne carte de curve. Carte de on cœur, sait qu'on ouais. veut un certain nombre de drops 1 et 2 pour pouvoir commencer ouais. à avoir des sorties fonctionnelles. Alors en scellé, c'est quand même moins exigeant qu'en draft. En draft, on veut vraiment avoir des drops 2 pour pouvoir impacter la partie rapidement. Bon, En scellé, si jamais on est capable de développer du late game, on peut, on peut être oui. un peu moins, moins tatillon sur les comptes. On peut être Ça un peu un plus un bon fileur. a un vol pour 1 qui peut bloquer Clebette avec le vol, mais on adapte pour 7 pour 4. Enfin, adapté 4 donc ça donne 5-5 vols et ça coûte 1 de moins pour chaque autre artefact qu'on contrôle et on a vu qu'on avait la petite larve qu'on avait le transfigurant donc si on en a d'autres d'artos dar pardon ça peut devenir un kill très rapide ok c'est plus une carte de synergie qu'une carte ouais. euh... exact. autonome euh, quête de nécropole en touche terre on met des marqueurs dessus et pour trop on la sacrifie on met en bataille une carte de créature ciblée depuis un cimetière et elle coûte 1 de moins activée pour chaque marqueur quête sur la quête de nécropole donc pour 4 en tout on va réanimer, mais entre-temps on aura mis des terrains, donc pour 2 ou 3 souvent on va réanimer une bête. C'est pas mal value ça. Ouais après faux, est-ce que c'est intéressant de réanimer une créature en scellé Pas forcément tout le temps. Bah, ça te refait jouer à un pâté potentiellement qui s'est fait gérer, genre une givre-étreinte. Tu vois, c'est pas ça mal. Ça marche bien avec givre-étreinte, ouais. C'est acceptable, ça c'est trop bien, c'est un terrain qui tue n'importe quoi, on veut. Enterré vivant, ça marche bien avec le, le spell de réanimation, Mise au point. Ça marche bien avec le spell de réanimation, mais je crois qu'on s'en passera pour le sceller. Ah oui, totalement. Ça, c'est trop bien. C'est euh, un homicide, mais qui fait gagner des points de vie. C'est juste, juste mieux. Le power creep. Ouais, c'est juste très bien. Ouais. Brimade, réanimer deux bêtes, c'est pas forcément évident. Les games qui se passent bien, on n'a pas beaucoup de bêtes au cimetière. Ouais, je, je pense que c'est pas bien. On donc. passe. Euh, ça, ça sacrifie une créature à un pour piocher deux. Ça a le flashback. Et on a vu qu'on a un petit Arthos à sacrifier, donc ça peut être synergique aussi. Mmh. Les je toxiques, c'est juste excellent. Payer 3, 4, 5 points de vie pour tout dé dégager. Et euh, ensuite, repeupler le bord de notre côté. Voire même conserver certaines de nos créatures selon les stats qu'on a. Ouais. Euh, et ça, c'est pas mal aussi. Pour un. on sacrifie une bête ou une bête modifiée. Et on détruit une cible, créature Planeswalker. Et si la bête était modifiée, quand on la sacrifie, on pioche une carte. Donc pour un, tu sacrifies un early drop et tu détruis quelque chose. Donc okay. on voit que le noir ça est très synergise avec les petites cartes que l'on a en early game. Ouais à voir. On va faire un petit tour du côté du blanc, mais pareil, il n'y a pas beaucoup de cartes. Je vais vous sortir les créatures. Est-ce que ça va suffire Ça pourrait suffire. Franchement, oh. déjà, le double blanc, moi, il ne me, il me plaît pas beaucoup. Fantôme, hein, en fait. euh, pas sûr, ouais. Donc ça, on va passer. Zélateur du solstice, c'est 2-3 pour 3 qui fait gagner des énergies et qui peut deux fois du coup engager une bête. Ça c'est bien. Les tappeurs, c'est toujours cool. C'est acceptable, mais j'ai le sentiment quand même que le power level des modernes sets sont quand même un peu plus puissants qu'un set de standard ouais. en limité. On va un du peu coup, plus. Et un de 3 pour 3, c'est quand même pas, pas brillant. Quoi. On préfère des tapeurs qui coûtent moins cher. Euh, auxiliaire de l'airain, ça c'est bien. Oh, un petit mouchon. 3-3 euh, vol qui fait soutien 2 quand il arrive en jeu. Deux autres créatures, ouais, on leur met un marqueur. Ça. Donc si on a une stratégie un peu white, c'est bien. Ange des ruines, c'est super bien. Euh, c'est une 5-7 pour 7 qui exile deux cibles artefacts et ou enchantements. Et c'est le recyclage de plaine. Et c'est artefact. Donc ça marcherait bien peut-être avec ce qu'on a, qu a vu juste avant. Chevalier des Roscos, c'est 3-4 pour 5 vigilance. Quand il arrive champ bataille, on regarde les 6 cartes du dessus. On peut révéler une carte d'artefact et ou d'enchantement. Parmi elles, la mettre dans notre main, mettez le reste en dessous. Et si on n'en révèle pas, on met un marqueur dessus. Donc c'est une 3-4 vigilance qui fait de la value. Ou une 4-5 vigilance pour 5. Je crois pas qu'on ait euh, trop d'artefacts enchantement là. C'est un peu mignon. Comme euh, trop d'enchantement pardon, parce que les artefacts, on en a quelques-uns. C'est dans les mouets. Ouais. Je le mets là. Et on a déjà plus de bêtes en blanc. Pas beaucoup de bêtes hein, dans notre pack. Reliquaire d'essence. Pour 3, on renvoie un autre permanent ciblé qu'on contrôle et tous les oracles qui sont chantés dans sa main. Ça sauve des bêtes. Pas très intéressant. Ah, ça, c'est une bête. C'est une A1 fly qui ensuite euh, s'équipe à d'autres trucs pour donner le fly. C'est très bien. parce ah oui, y a du fait que ce soit une arme vivante, il faut les compter comme des créatures. Ouais c'est euh, très bien parce que ça permet de ne pas mourir sur le fly ou de tuer adversaire avec pour 1 on choisit une carte d'artefact ou de créature dans le cimetière on gagne 2 puis on peut payer une quantité d'énergie égale à la valeur de mana de cette carte pour la renvoyer sur la bataille et c'est un recyclage hmm. c'est une carte qui est médiocre est une mais million, tu fais qu'elle est le recyclage elle a le droit d'exister en tout cas on peut ouais. on peut la prendre en compte pour la prendre en compte ça ça fait une, un vol pour 3 quand ça arrive en jeu et morbidité au début de notre table de fin c'est une créature est morte sur peuplée. Ouais, un peuplée un peu mouais, pas trop dans l'autre deck je pense, ça c'est pas mal c'est une gestion qui fait autant de dégâts que le double nombre de bêtes qu'on a ou alors ça détruit un enchantement oh. ou alors ça exil un cimetière bah, ça, ça sera euh, bien dans des stratégies un peu wild tu vois. Bah, si t'as deux bêtes ça fait 4 dégâts pour deux. Hmm. C'est pas, pas trop dur okay, okay. En éphémère Et lui on avait dit que c'était pas ouf Ok on a un blanc un peu mais On va voir le noir, euh, le vert pardon Alors Pareil je mets les créatures au dessus Hop Alors on a le Kuvékaï Indolent De 2 euh, Pour 2 carences Donc il n'a pas de couleur techniquement Pour 2 on peut l'adapter il devient 3-3 Et quand on lui met des marqueurs il crée une 0-1 euh, Eldrazi qui peut se sacrifier pour faire un mana incolore. Oh, c'est vachement bien ça! Bon drop ouais, de mais curve bien aussi de toute façon les, les drop 2 qui s'adaptent. Ça veut mmh. dire que tu vas pouvoir impacter la partie très rapidement. Et en même temps, quand la partie avance, bah, tes drop 2 ils ont plus trop de valeur. Surtout sur le bord de a commencé à être bloqué. Ce qu'on appelle le stall. Bah, là, toi tu peux adapter tes bêtes pour les redynamiser un peu. quoi Ouais, c'est très très bien ça. Drain de la Belladone, c'est un drop 2 contact mortel qui fait du mana, de la couleur de notre choix ou incolore. C'est bien pour les Eldrazi. C'est ouais. cool aussi. Bah, surtout quand on a vu le pâté qu'on avait. On a envie d'avoir un peu de rampe. Après, euh... notre, notre pâté, lui, euh, ne nécessite pas d'un color. Il nécessite seulement de la rampe. Ouais, il nécessite 9 mana. Ouais. Euh, on peut la surmener au moment où elle attaque pour qu'elle gagne plus X, plus X. X étant le nombre de marqueurs sur le permanent qu'on contrôle. Et c'est 1 pour 2 qui s'adapte pour 3. Ça, j'aime moins. J'aime moins. Si... Tour, tour 2, c'est un 1-1. Mais tour 3, c'est un 3-3. Et quand elle attaque, du coup, tu lui mets 3 marqueurs, c'est ça euh, tu lui mets 2 marqueurs tu lui mets plus x plus x, x étant le nombre de marqueurs que sur les permanents que vous contrôlez, donc elle a plus 1 plus 1 elle la tape pour 4, autour 3 elle tape pas pour, attends, elle a adapté 2 ou adapté 1 adapté 2 mais du coup elle a 2 marqueurs oui c'est une 3 3, mais comme elle se compte pour son effet si tu la surmènes, elle peut taper à 4 pour moi elle tapait à 5, ou alors j'ai mal compris elle gagne plus x plus x x étant le nombre de marqueurs sur les permanents que vous contrôlez, ah oui, oui. Les... c'est pas le nombre de permanents oui donc elle tape à 5 elle t'a pas 5 en fait dès le tour 3. Ça met des vrais coups. Ça oh. met 2-3 nions, mais ça veut dire que tu développes pas au tour 3. Bon, voilà, on a dit qu'on aimait bien. 2-1 pour 3 qui s'adapte pour 2. à chaque fois qu'au moins un marqueur est mis sur le témoin, renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ah, t'aimes bien ça ah, J'aime toujours très très bien les effets Eternal Witness. Ouais. C'est elf et chaman et il y a vraiment un bail dans la posture. Ah, il y a un, un bail, ouais. Et c'est bon, témoin. Ça, 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 reste, ça reste moins bien, mais, mais pourquoi pas je pense on joue. Euh, okay, voler okay. dans les plumes, ça doit être une bête avec le fly ou renfort 2. non Grandement maléfique. On révèle les quatre cartes bah du dis dessus. Disons que si on apprend qu'il y a un archétype fly dans le set qui est très puissant, dans ce cas là oui, mais là mm. comme ça de prime abord non. Oh ça c'est pas mal. On regarde les quatre cartes du dessus. On peut mettre un permanent de parmi elles dans notre main, donc au moins un terrain, mais le reste dans le cimetière. Donc ça a rempli le cimetière et on crée un jeton Eldrazi qui rampe. Trop fort ça. Ok. Ça c'est bien. Assaut terrifiant, magnifique euh, artwork. Pour un mana vert, une créature ciblée que vous contrôlez, un fichier de blessure égale à sa force et une cible que vous ne contrôlez pas. Si vous contrôlez un Neldrazi, vous gagnez 3 points de vie. Trop fort. Un mana vert anti bête Ça on veut. Et ça, bah. C'est bien. Si on joue vert et qu'on a envie de s'accélérer vers des cartes assez puissantes mmh. dans late game, on la jouera, ouais. On a pas mal de bleu aussi. Ensuite on a fait le tour de toutes les couleurs et on regardera vite fait le... les autres, évidemment. Donc l'imitation de bandit, ça devient euh, n'importe quelle créature, sauf que elle quand elle attaque pour 4. Ok, un effet clone, historiquement, c'est bien, c'est les. Mmh. Ça dépend, euh... ça dépend. Si t'as un adversaire fort, euh, c'est bien. Si t'as un adversaire pas fort, c'est moins bien. Oui. Ah bah, d'accord. Mais est-ce que historiquement, c'est des cartes qui sont jouées Pas beaucoup, quand non. Quand on les ouvre, pas trop. Des clones pas trop. Okay. Après là, la, la différence entre les Communion Co et les rares et mythiques est assez énorme, donc peut-être que l'imitation de Bandit a envie de le jouer pour ça. Vérité insondable en éphémère, on pioche 3 cartes et on crée un jeton Eldrazi pour 5, c'est super bien ça. Je vais de la value, ça fait une bête. Décèlement de Cosilek, à chaque fois qu'on lance un sort qui coûte 4-5 ou 6, on crée 2 jetons 0-1, et à chaque fois qu'on lance un sort qui coûte 7 ou plus, on pioche 3 cartes. On n'a pas ouvert malheureusement beaucoup de grosses créatures. Ouais, dommage, on n'a pas de synergie, le euh... Drazi, pour faire fonctionner la carte. Donc ça, on passera. Pour 3, on pioche de 4 cartes et on met ensuite 2 cartes de notre main au-dessus. C'est Brainstorm un peu mieux. Enfin, ouais. Pour plus enfin, cher, un mais peu moins bien. qui, qui mais... creuse plus de cartes. C'est ça. ça. pareil, c'est cool. C'est cool, le... en plus, on a des fetch, euh... en tout cas des fetch-like dans le ouais. set. Donc on peut remélanger. Affiner le récit, pour un mana bleu, on pioche une carte, on gagne deux énergies. Ça, je pense qu'on le joue que sur une spe synergie spell ou énergie. Ouais, c'est ça, euh, tout à fait. Mais s'agit des miracules de 1 vol pour 2. Chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte à chaque tour, on crée un 0-1. C'est vachement fort, ça. Ça, c'est bien, effectivement. C'est juste un bon drop 2 qui va commencer ouais. à mettre de la pression dans les airs. Le change-forme corrompu, il est étoile-étoile pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, non, je peux vous la mettre plus haut, euh, il devient, selon notre choix, une 3-3 avec le vol, une 2-5 vigilance ou une 0-12 défenseur. <laughs> Okay. Waouh, c'est hyper polyvalent ça. J'aime bien ça. 0,12 là, les mecs qui jouent aggro, ils remballent. Je pense qu'on joue. Euh, Tamio rencontre le cercle des histoires pour deux jusqu'à votre prochain tour. Chaque fois qu'une créature vous attaque ou un plein de que vous contrôlez, gagne moins 2, moins 0. défaussez vous de n'importe quel nombre de cartes, puis enquêtez deux fois pour chaque carte défaussée. Ça fait plein de value euh, dans l'endgame. Et mélangez jusqu'à 3 cartes, si une cimetière. Ah non ça on veut pas ça, ça a l'air compliqué hein, en scellé ce genre d'effet ouais. euh, ça ça coûte 4 pour renvoyer un permanent euh, au dessus euh, non en deuxième position au dessus ou en dessous dans la bibliothèque et euh, ça coûte un de moins pour chaque carte on a plus ce tour donc en vrai ça coûte toujours 3 quasiment tout le temps 3 ou moins ouais. c'est ok hein, moi ce genre d'effet là des ouais. fois j'aime bien les jouer pas mal pas de souci. ça c'est contre 100 pour un... 3 c'est ok en scellé c'est un cancel donc ça sera très ok en scellé pour contrer notamment les grosses cartes de l'adversaire ouais lui il est 4-5 pour 5. Quand on le lance, on engage une créature ciblée, on lui met un marker stun et il a la portée. Très bien. C'est plutôt ok, ouais. Ça, on a dit non. Ça, ça fait piocher 2 et ça, a le flashback, c'est cool. Et ça, c'est 2-1 pour 2 qui fait gagner 2 énergies et on peut payer une énergie pour looter. C'est un drop 2, okay. acceptable. Pourquoi pas? Encore une fois, si on a besoin de remplir la courbe de mana, on sera ouais. content de les avoir. Le bleu est pas mal du tout. Euh, je passe sur l'incolore avant de passer sur le multicolore. Ouais. Lui qui annonce la fin, il est 2-2 pour 2, il buff les autres créatures incolores. Et euh, les sorts incolores ont, euh, qui coûtent 7 ou plus coûtent un de moins. Malheureusement, on n'en a qu'un. Alors, ça, ouais, mais dans tous les cas, c'est pas mal, parce que buffer les cartes incolores, ça, on a beaucoup de cartes carence. Ouais, en, en notamment bleu, notamment. en vert, et en, a, en bleu. Euh, force usée, ça, ça rampe, et ça permet de casser les Eldrazi, c'est cool. Babiol Vexatoire, à chaque fois qu'un joueur lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour le lancer, contre carré ce sort, oh, c'est rigolo. Et pour un, on le sacrifie, on pioche une carte. On ne le jouera pas, mais c'est marrant comme effet. Ah, bah on a un Aldrasi à 7, je ne l'ai pas vu. 7, 7 vigilance pour 7. Quand vous lancez ou recyclez le guetteur du cimetière marin, créez un jeton de créature 0, 1. Ok, on peut le recycler pour 3. Donc pour 3, on pioche une carte et on fait un 0, 1 en éphémère. C'est fort. Hein ça a l'air ok, ouais. Ça se joue, on n'a pas besoin de jouer de, de land spéciaux en plus. Médaillon, on ne le jouera pas, même si on joue bleu. Commandement, ça fait quand même plein de choses hein, en éphémère. Ça fait plein de trucs, mais je vois pas comment on paye son, son coût. Ça m'a l'air très compliqué. On a la lithophore si on la joue. On a les... T'as deux drops, as deux drops ouais. verts qui peuvent payer son coût aussi. 3, 4, 5, 6, 7. On a sept cartes passage potentiellement pour la jouer. Et les passages, ils font quoi comme effet Ils font de l'incolore. Ils font euh, sacrifier pour aller chercher un, un land parmi trois, Et ils se recyclent pour trois. Okay. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir le splasher en fait. Peut-être qu'on peut hein. On va peut-être euh, faire un simic, ouais. euh, un simic Absolument. ramp ou alors un. Et ça oui. Ouais. Ok, Et je regarde les petites cartes. Euh, oui, regardons les cartes multicolores. La euh, multicolore. Bon ça c'est non, pas en fait, de Célestia. Rouge non plus, pas possible. Euh, ça c'est un double land. Est-ce que c'est possible En plus ça peut jouer qu'avec du noir. Il coûte 1 de moins pour chaque 1 euh, point de vie perdu par nos adversaires ce tour-ci. Un ciblé exile 3 cartes du sud de sa bibliothèque jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, Pendant vous pouvez euh, jouer ces cartes si vous lancez un sort de cette manière du mana n'importe quel type. Ah, faut payer cher quand même. même C'est si quand, quand, quand même pas très bien. C'est quand même pas très bien. C'est non, le blanc, on l'a dit. C'est pas, pas trop pas nos fond. couleurs. Noir-blanc non plus. Persistance, et elle a le vol tant qu'elle est modifiée. Du coup, quand elle meurt, elle devient un, un vol. Ouais, c'est pas jette. trop ce qu'on cherche non plus. Je crois que nous on est vraiment sur la base Sultai. Il va falloir voir si on joue Golgari, Simic ouais, ou Dimir. Ou ouf. alors si on joue euh, la, trico... la tricolorité, pardon. Pas ouf non plus. Pff, non, je crois qu'on a rien dans le multicolore. Ah, ça c'est vachement bien quand tu joues énergie, mais bon, on joue pas énergie. Et blindage crânien, pareil. Tout ce qui est rouge, c'est pas ouf, même si c'était une super carte. Ouais. Ok, donc là, on serait sur okay. les trois couleurs dont on a parlé. Ouais. Euh, J'ai vraiment l'impression que notre deck il va être simi cramp, mais on a des bons anti-bêtes noirs. Non. Ouais. Parce que toute la stratégie noire de sacrifice ne fonctionne pas avec le reste de ce qu'on a, et je suis pas sûr qu'on soit capable de splasher le noir. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'on s'en fiche d'interagir Et dans ce cas-là, on joue juste vert bleu carence, euh, vert bleu carence rampe. Tu vois ce que je veux dire Vert, il est un peu maigre quand même. Je crois que je jouerais simi que Eldrazi. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, si Eldrazi. Euh, Dimir Eldrazi, pardon. Ah, si tu joues Dimir Eldrazi, tu bénéficies pas de la rampe. Ou peu. Je peux enlever. Au moins ça. Bah t'as pas la rampe, mais tu joues juste un deck euh... Euh, contrôle, on va dire, avec des bonnes bêtes, des bonnes gestions, et, euh, et en late game, tu tues avec tes, tes monstres. Peut-être. On se passerait de quoi de vraiment bien en, en vert. La en vert. Carence, euh, le drop de carence qui s'adapte. Euh, le... ouais. La double dryade. Celui-là, la double dryade. Et le reste, c'est acceptable de s'en passer en vrai. Ok, bah, vas-y, Godimir alors. Godimir, comme je ça on que... aura un deck assez stable. Ouais, je pense que Godimir c'est bien. Je vais regarder quel land j'ai le droit de jouer. L'idée c'est surtout de vous montrer un petit peu les bah, synergies, ouais. le genre de pool que vous pouvez ouvrir et le genre de Il deck sur lequel vous pouvez finir. L'idée c'est ouais. pas de prendre euh, deux heures dans cette ouais. vidéo pour faire vraiment le meilleur deck possible ou alors ouais, faire ouais. deux decks, un agressif, un. un... Un, un deck ramp, ce qu'on peut souvent faire en scellé, hein. pensez mmh. à faire deux decks si vous avez deux options, notamment avec des stratégies bien, bien différentes pour pouvoir surprendre l'adversaire en, en, en game 2. Euh, là, l'idée, c'est vraiment euh, qu'on rende l'exercice assez digeste et qu'on arrive rapidement sur un build. Quoi. On peut euh, utiliser cinq euh, terrains qui vont chercher nos couleurs, dont deux qui vont chercher les deux. Euh, bah go hein. et, euh, et du coup, ça ne devrait pas être trop dur de pouvoir splasher. Euh, donc on avait dit on jouait ça... En fait, tu 3, vas vouloir 4, jouer 6. tous les piocheurs, toutes les cartes de gestion et euh, tes et off. 9. Euh, Celui-ci, du coup, non, il n'y a pas assez. C'est quoi celui-là C'est celui où si tu lances des sorts qui coûtent 4, 5, 6 ou 7, ça fait des trucs. D'accord. Noir, je crois qu'on a... On voulait peut-être tout. Faut que non, faut que tu enlèves toutes les synergies sacrifices. Alors, euh, cet anti-bête, ce piocheur... Euh, ça c'est nul hein. Je crois que Genre, du coup ouais. on peut pas. Ça c'est pas mal. Give et train c'est bien, tutor c'est bien. Lui lui il est ok, lui non. Et ça non plus. Brimad quand t'as des gros de de au cimetière c'est sympa. Et en incolore on a ça ça. Le ça, roi ça. Ça ouais. Mmh. Bah ça ça fonctionne. Enfin ça reste un drop de. mignon. C'est euh, ouais. cool. quoi. Ça, 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 on s'en fout. Ok, on arrive à combien de cartes là avec ce 1, pool là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il nous faudrait une 23 e carte. qu'est-ce' on, qu on en a que 22 là Ouais. Hum... Est-ce qu'on qu peut pas splasher un bon anti-bet genre dans une autre couleur, qui soit rouge ou vert On peut splasher un anti-bet vert, ouais. On a ça sinon hein, qui permet de réanimer pour 4. Euh, pour trois, pardon. Ah non, ça coûte 6, la capa Merde, ça coûtera plus cher. Ouais. Ça ça, ça, me, ça me parle pas beaucoup, ça. Moi, j'aime bien le fait d'avoir un bon pack contrôle avec des payoffs qui sont très très forts en late game. Par mmh. contre, est-ce qu'on a une belle curve Tu as combien de créatures Combien on a de drop 2 À quoi il ressemble, le deck comme ça On va déjà. regarder. Avant de regarder la 23 e carte. Je vous dézoome un poil. Voilà. Alors. Je mets les Mettons les spells en bas. Spells en bas. Ça, c'est un terrain. Je ouais, le mets ouais, ça, c'est pas le terrain, exactement. Mais on veut 17 landes, je pense que c'est pas, 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 pas volé. Quoi. 5, 4, 4, 5, 2, euh, ça je le mets à 4, même si ça peut se caster à 2. 5, 3, 3, 4, 2, 3, 5. Euh, non, c'est un spell, même si ça fait une bête. 1000. Ça, on va dire qu'il s'égale 2 souvent, on va le faire, 2 000. ou 3. Ouais, ouais, vas-y, mets-le euh, où tu veux, ça c'est pas 4, important. 10 000, 2 et 3. Ok, donc on voit qu'on n'a pas de drop 3, on a 4 drop 2. Par contre, au niveau des spells à 3, on va avoir un contre, une litho force, une gestion ou de la pioche. Okay, pas on mal. a quand même très peu de créatures, on part sur un deck très contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, on a 12 créatures. Euh, bon, ça qui peut faire euh, beaucoup de créatures, 0, 1. Mais bon, ça ne tue pas. Ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'on assume le fait d'avoir un deck qui est un peu particulier C'est-à-dire que les conseils qu'on va donner aux débutants, c'est d'avoir 23 cartes jouables, dont 17 créatures et 6 spells. Est-ce ouais. que nous... Du fait qu'on connaisse la règle de base, on peut s'en extraire pour avoir un deck beaucoup plus contrôle, avec un plan de jeu qui est clair, c'est-à-dire contrôler ce que fait l'adversaire en début de partie, piocher des cartes et l'écraser avec des, des gros plans. Est-ce que, est que ça peut marcher Des gros Eldrazi. Je pense que oui. J'ai un petit drop de Dimir. Oui, avec des gros Eldrazi, pardon, je dis des bêtises. Euh, C'est 2-1 fly pour deux. Euh, quand on pioche notre troisième carte pendant un tour, on la renvoie sur son engagé. Et on a ouais. deux ou trois cartes, je crois, qui peuvent nous la faire reprendre. Ouais, bah t'as le brainstorm et... déjà qui te, la fait, euh, ouais. qui te l'a fait trigger automatiquement. Exactement. Ouais, c'est une bonne carte. Et au pire, c'est une 2-1 un fly qui va juste mettre des points en early. Ok. Sur les drops 3, il y en a combien qu'on peut jouer au tour 3 Sans, Sans sourciller quoi. Ça et brainstorm et peut-être like un, un euh, Boons. bounce. tu peux le faire une La Une curve. courbe légère quand même. Après tu peux rester aussi up pour pouvoir faire un flambement de déni. Ouais, mais ça tu veux vraiment contrer un payoff. Tu veux pas l'utiliser comme un tour 3, je trouve. Je vais éviter ouais. Je regarde un peu les autres couleurs mais il euh, a... en fait on n'a juste pas beaucoup ouvert de tour 3. Même oh ouais, dans les autres okay. couleurs. De toute façon, même si on jouait vert ou blanc, on n'aurait pas plus de tour 3, c'est ça que je veux dire. Bah vert, on a euh, le ramper à 3 et c'est tout. il si et le witness on a deux. Non, moi je la jouerai comme ça. Hein. J'assumerai le côté contrôle. Euh, ok, ouais. on curve pas. Mais, euh, mais par contre, toi, euh, si tu curves, on va t'empêcher. Te, à la ouais, fois ouais. avec nos vracs, nos antibêtes, nos contres. Et Pe puis après, on va stabiliser avec des cartes puissantes. Peut-être qu'on voudrait, après side, parce que c'est du BO3 normalement, rentrer ça. Pour justement rejouer nos, nos créatures si jamais on s'est fait gérer. Euh, ouais. Potentiellement, euh, Brimade... Euh, Il y, y a un petit côté coquin avec Brimade enterré vivant. Enterré vivant, tu vas chercher tes Eldrazi, Brimad, tu les rejoues. Il y a quand même un plan où tu fais enterré vivant sur tes Eldrazi et tu les vois jamais de la partie. Et, et tu, tu les vois jamais, chercher. ouais. Ah ouais J'aime euh... pas trop, je prendrais pas ce risque, moi, pour le coup. Ouais, on a le petit euh, transfigurant aussi qui peut être ajouté a... si on a besoin pour de leur lit On a combien de cartes... Non, si c'est vraiment de leur lit pour de leur lit, je préfère assumer le côté plus contrôle du deck. On a combien de cartes qui rampent, en fait À part les force. Euh... Alors ça pour les Eldrazi. 2 euh, 3 il, euh, il est où celui qui fait un ah, il est là, 4 ok donc on a quand même de multiples moyens d'arriver à jouer nos Eldrazi rapidement ouais 5 ça on peut le recycler pour faire un, un petit Eldrazi d'accord ok on va souvent le caster je pense euh, un tour plus tôt quoi, peut-être pas deux tours plus tôt mais. bah écoute je valide ce deck je trouve qu'il a une bonne gueule il Fait des trucs. Hein. Le pack scellé ouais, euh, qu'on a ouvert, il n'était pas évident. Il y avait des bonnes cartes, mais. On non, mais aussi... en fait, il ne nous, nous permet pas de curver naturellement. Donc... Ah, j'aime pas trop, moi, le, le change-forme. On a le change-forme, on ne pas ce qu'on cherche. Quoi. En tout cas. Ah, bah si tu sais que ton oppo, il ne joue que des ports, bah, tu vas side ton change-forme. Et du coup, tu es content. Ouais. Euh, ça. Quand on lance des sorts qui coûtent 4, 5. Ah, ça trigger quand même pas mal euh, ce petit enchantement-là au final. 1, 2, mm -hmm. deux... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ah, sur la moitié du pack. En fait, il est pas mal cet enchantement. En plus, c'est un drop 3. Ouais. Eh bien, alors, c'est parti. Donc, je crois que je rentre ça. Euh, je laisse le drop et... 2 qui vole On, on le ouais. veut bien quand même pour stabiliser leur game. Et sort euh, une carte de la curve 3 à 5. La ouais. Qu'est-ce que. Bah, celle-ci, euh, on n'a pas beaucoup de cartes noires avant qu'elle arrive. C'est la ce 3 cas, de menace. Ok, ah, c'est pas mal, ah, là je, il me plaît plus le deck là, tu vois Ouais, il a une bonne tête. Il a une bonne tête. Ok, et ça du coup on, on compte les sources de coloré pour savoir combien on rajouterait de land là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, source, enfin euh, mana coloré noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bleus, donc on ferait kiff kiff, on ferait un, on mix, a... euh, un mix parfait, mais je crois qu'on ne jouerait pas les 5 par contre, Land Incolor. 5, peut-être qu'on peut en enlever un qui ne va chercher que du noir, par exemple. Ouais. Celui-ci. C'est euh... ça, on en jouerait 4 avec 13 autres Landes, et du coup, tu ferais 7 et 6. Quoi. 7 et 6, exactement, 7 îles et 8 marées. Okay. ok, si jamais on te dit tu dois jouer samedi avec ce deck-là, ouais. tu deal ou tu te dis Ah, je peux faire mieux mmh. Alors, avec ce pool, je ne vois pas trop comment on fait mieux. Non, mais justement, c'est ça mon propos. C'est genre en mode, ok, tu peux conserver ce pool là pour samedi. Tu pars avec ou pas Ouais, je regarde. En, en omettant euh... le fait que tu as envie d'ouvrir d'autres boosters, évidemment, tu vois. Mais oui, bien sûr. Euh, ouais, je pense que je suis, euh, je suis content. Je pense que je peux gagner des games. Surtout Kozilek, franchement, quand tu le résous, c'est délirant. Hein. Ah oui, oui. Tu prends cool. le board de fou. Euh, t'as pioché 4 cartes. C'est très très fort. Ouais, moi aussi, en tout cas, je pense qu'il est simple à jouer, amusant ouais. à jouer. Euh, ça m'aurait pas du tout dérangé d'assembler ce deck là ouais. et de faire mon APA. Et en plus, ça me permet ce deck de faire quelque chose que tu fais pas normalement, c'est-à-dire jouer 10 mir contrôle avec des Eldrazi. Normalement, tu fais l'un ah ou l'autre. Donc c'est un peu cool. Ouais. Un peu cool. Je pense que d'ailleurs, il y a, à 2-3 zones coprées, on peut avoir un pack un peu plus synergique Eldrazi, encore plus fort même. Ouais, complet. Ok, et bah écoutez, c'était euh, délicieux de construire ce petit deck avec vous. En World Premiere, euh, n'hésitez pas à euh, dire ce que vous en avez pensé en commentaire et mettre le petit pouce bleu. Je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à aller faire des avant-premières en boutique euh, pour Modern Horizon 3, pour n'importe quelle extension. C'est euh, les meilleurs tournois pour euh, commencer Magic en papier, même si vous savez déjà jouer à Magic hein, ou pour faire découvrir Magic à des gens. Euh, n'hésitez pas, ça régale. Euh, Bloomborough d'ailleurs, dans l'été, si jamais Modern Horizon vous a plu ou si vous n'avez pas pu en faire pour Modern Horizon, n'hésitez pas. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Magica et, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.